Eh bien bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand entretien de Ciel Espace réalisé et enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la ville de Paris, sans oublier donc l'association française Astronomie et Ciel et Espace, dont notre invité aujourd'hui a été le conseiller scientifique de la rédaction pendant de nombreuses années, mais aussi est toujours membre du conseil d'administration de notre bonne, chère et vieille association. Bonjour Jean-Marc Bonnevido. Bonjour. Jean-Marc, vous êtes astrophysicien au CEA, spécialiste des derniers stades de l'évolution des étoiles, en particulier des étoiles denses, des astres denses. Et vous vous intéressez depuis toujours à l'histoire de l'astronomie, de ses théories modernes, mais aussi à leurs racines, aussi bien en Afrique et en particulier en Chine. C'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, puisque vous avez publié à quelques années d'intervalle, d'abord en 2017 chez Belin, un ouvrage intitulé « 4000 ans d'astronomie chinoise ». Et plus récemment, c'était au mois de septembre dernier, chez le même éditeur, les sciences de l'Empire du Milieu. Alors, vous écrivez en introduction de cet ouvrage: ce livre est né avant tout d'une expérience personnelle et d'un contact direct avec des scientifiques et historiens chinois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette rencontre ? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça, tout a commencé. C'était pas un intérêt a priori pour moi de l'histoire des sciences au départ, mais c'est que j'étudiais des explosions d'étoiles. Or, en fait, il se trouve que certaines explosions d'étoiles, que nous appelons aujourd'hui supernovae, en fait, sont visibles dans le ciel à l'œil nu. Et il y a eu des événements qui sont dans le passé que les gens sur la surface de la Terre ont pu observer de leurs yeux. Alors, pour nous, malheureusement, on n'en a pas encore eu visible à l'œil nu depuis Kepler. Et donc, c'est dommage parce qu'effectivement, on pourrait profiter de ce spectacle, on peut s'attendre à ça d'un jour à l'autre. Hein. Effectivement, on ne peut jamais dire quand est-ce que surviennent ces explosions. Mais comme je travaillais sur ces sujets-là, évidemment, il y avait une explosion particulièrement sur laquelle on travaillait, notamment au début de ma carrière, qui a produit une très belle nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et en fait, on avait une datation de cette explosion très précise, c'était le 4 juillet 1054. Alors évidemment, je savais très bien qu'en termes d'astronomie, on ne pouvait pas dater aussi précisément que ça avec les données modernes. Et j'ai découvert un petit peu après avoir commencé à travailler sur ce sujet qu'en fait, on avait un texte qui nous racontait exactement ce qui s'était passé dans le ciel à ce moment-là. Et ce texte était un texte chinois. Alors évidemment, immédiatement, j'ai commencé à rechercher en me disant, ben évidemment, comme on a tellement d'enregistrements faits par les Chinois, je vais trouver ça dans l'histoire des sciences enseignée en Europe. Eh bien, je n'ai rien trouvé à l'époque, c'était dans les années 80-90, parce qu'il n'y avait rien concernant une astronomie autre que grecque et européenne qui était enseignée en fait en Europe. Et du coup, ça m'a ouvert évidemment vers ce questionnement, mais qui étaient ces gens qui observaient? Comment observaient-ils? Parce qu'au fond, j'avais été frappé par le fait que leur récit était tellement précis, en position, en temps, que ça nous avait permis, avec nos grands télescopes modernes, de retrouver dans le ciel exactement où ils nous avaient dit le reste de ces explosions qui sinon se seraient passées inaperçues. Et donc, ils étaient vraiment des scientifiques de l'époque. C'était des astronomes, en quelque sorte, qui étaient mes collègues à 1000 ans d'intervalle, puisque c'était 1054. Et j'étais stupéfait du niveau auquel ils étaient arrivés dans l'astronomie. Et comment vous êtes rentré en contact avec les Chinois et en particulier avec ceux qui aujourd'hui vous ont, entre guillemets, ouvert les portes de l'astronomie ancienne chinoise? Effectivement, c'est une histoire assez personnelle, mais c'est vrai que n'ayant rien trouvé en France, en Europe, de texte, je me suis dit, ben, il faudrait peut-être que j'aille en Chine. Alors, j'appartiens à un institut qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique, qui avait des accords depuis de longues dates avec la Chine pour les techniques nucléaires. Et il y avait été signé un accord d'échange de scientifiques entre la Chine et la France par le CEA auquel j'appartiens. Alors, il y avait beaucoup d'étudiants chinois qui étaient venus au CEA apprendre des choses. Jamais aucun
européen ni français n'avait été en Chine. On est dans les années 89, 88, 89. Et donc, j'ai demandé à bénéficier de cet accord, mais pour une fois, dans l'autre sens. Alors, je n'y allais pas seulement pour l'histoire des sciences. À l'époque, en fait, on travaillait sur des données satellites, ce qui intéressait, que les scientifiques chinois voulaient apprendre à utiliser. Et donc, j'ai été principalement pour ça. Mais c'est là que j'ai été en contact, évidemment, avec des grands chercheurs et historiens des sciences chinois qui m'ont très gentiment mis le pied à l'étrier et m'ont donné les premières clés pour relire et effectivement comprendre ces textes chinois anciens. Et vous nous faites découvrir dans ces deux ouvrages la première carte du ciel ou atlas du ciel chinois extrêmement précis. C'est 283 constellations et 1450 étoiles. Sur un manuscrit, décrivez-nous à quoi il ressemble finalement, vous êtes le premier occidental à avoir étudié cette carte. C'est une autre histoire aussi qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un grand historien des sciences de la Chine qui s'appelle Joseph Needham, qui a écrit de très, très gros volumes. Et un jour, j'ai aperçu une petite représentation d'un morceau de carte d'étoiles. J'avais gardé ça en mémoire. Et avant de finir ce livre, le premier livre sur l'astronomie, en fait, je voulais retrouver ce document. Et j'ai appris qu'il était à la British Library. Il avait été pris, entre guillemets, volé du désert de Gobi, où il était conservé. Alors, il y a une grande histoire autour de ce document, mais toujours est-il qu'il a été transporté en Angleterre, mis dans des réserves, et puis personne n'avait jamais regardé cette carte. Alors, surprise pour moi, mais grande chance quand même, parce que je demande à la British Library, très poliment, et on me dit, mais venez, parce que, en fait, nous, on n'a rien, on n'a aucune information sur cette carte. On a quatre lignes de légende qui nous expliquent que c'est un document qui a été trouvé dans le désert de Gobi. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec ce document. Alors, pour vous dire tout de suite, il date à peu près l'an 650. C'est un document exceptionnel, évidemment très très beau artistiquement parce que c'est fait à la main, c'est dessiné sur du papier chinois et toutes les étoiles sont marquées à la main avec leur nom en plusieurs couleurs et surtout c'est une carte qui nous a étonné dans l'étude qu'on en a faite parce qu'elle respecte une projection mathématique parce que vous savez que pour représenter le ciel sur une carte, il faut faire une transformation, il faut transformer une sphère en un plan, ça s'appelle une projection mathématique et on a vérifié que c'était vraiment avec une méthode très très rigoureuse qu'ils avaient fait cette projection, ce qui leur permettait d'avoir une carte extrêmement moderne, puisqu'on a une carte qui est exactement la même que nous produisons encore aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, quand vous représentez la Terre, vous avez toutes les deux côtés de l'équateur sur une carte rectangulaire. Et puis autour du pôle, comme il y a trop de distorsions, vous faites une carte circulaire. Eh bien, ce document a exactement cette disposition. Et quand on dézoome, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est que l'organisation chinoise est basée profondément sur le lien avec le ciel. L'empereur est au centre de tout, si je puis dire, et on doit considérer le ciel et la terre comme étant, alors peut-être pas nécessairement des équivalents, mais des doubles. Comment le décririez-vous exactement ? Ah oui, c'est très très important, et c'est ce qui nous distingue en termes de philosophie de la pensée orientale. C'était vraiment une base, on pourrait dire une écologie naturelle, qui considérait que, en fait, quand on sort dehors, on a deux visions à égale surface, celle du sol et celle du ciel, si on veut bien voir. Donc on a toujours 50% de terre, 50% de ciel sous nos yeux. Simplement, on ne veut pas le voir. La plupart du temps, on baisse les yeux. Donc, ça, c'est tant pis pour nous. Et alors, les Chinois étaient très, très sensibles à ça pour des raisons un peu philosophiques. Et du coup, ils avaient créé une correspondance absolue entre la Terre et le ciel à tel point que quand justement certains événements se produisaient dans le ciel, ils l'interprétaient comme une perturbation de l'équilibre de leur propre espace temporel. Et donc, c'est ce qui a créé. C'était le moteur extrêmement important pour l'astronomie parce que dès le début, ce sont les empereurs eux-mêmes qui ont payé des observatoires qui ont employé 300 personnes. Enfin, ils avaient l'équivalent de l'observatoire de Paris il y a 2000 ans, hein, qui était payé, c'était des fonctionnaires, et ils observaient le ciel, mais jour après jour, nuit après nuit, en collectant tout ce qui s'y passait. Et du coup, on a une avalanche de textes que nous n'avons pas encore très, très, très bien encore exploité, mais qui nous donne vraiment l'histoire du ciel pendant 2000 ans, au moins 2000 ans. Parce que l'empereur détient ce qu'on appelle le mandat du ciel, c'est-à-dire qu'il est responsable de la concordance parfaite de cet équilibre miroir entre ces deux mondes. Exactement. C'est pour ça que l'astronomie en Chine était une science politique, on pourrait le dire. Parce que la légitimité d'un empereur n'était pas le fait qu'il était le fils d'un tel ou qu'il avait conquis tel territoire. C'était avant tout s'il pouvait se rendre garant de l'équilibre du ciel et de la terre. Et donc, il avait devoir d'interpréter, de surveiller ce qui se passait dans le ciel et d'interpréter
interpréter au mieux par rapport à son empire terrestre. Et donc, c'était une tâche dont son avenir lui-même en dépendait. Donc, il ne prenait pas à sa légère. D'ailleurs, effectivement, pour éviter toute ambiguïté, souvent, il mettait deux équipes indépendantes à travailler pour que l'une ne leur raconte pas des faits non avérés. Et donc, c'était très, très sérieux. L'astronomie, on pourrait dire, c'est une science politique. On déterminait la politique de la Chine à partir du ciel. Et c'est ce qui vous explique comment l'assiduité qu'il y a eu à observer ce fameux ciel. Sans compter la tenue du calendrier qui, cette fois-ci, est le respect du temps, l'organisation sociale qui va avec. Donc le calendrier et le ciel sont liés, l'espace et le temps. À l'espace et le temps, absolument. Ça n'a jamais été disjoint. D'ailleurs, les gens sont étonnés d'apprendre ça, mais le terme univers en chinois, ça se dit yuzhou, qui veut dire espace-temps. Et ça, 2000 ans avant Einstein. Hein. Alors que nous avions fait un espace et le temps séparés. Et ça n'a été réuni que par la relativité d'Einstein. Donc le temps était extrêmement important. Et moi, j'étais subjugué aussi. On ne sait pas pourquoi il y a cette obsession du temps et de conserver toutes les connaissances. Alors c'est lié à beaucoup de choses. Déjà à des supports qu'ils ont pu fabriquer, qui étaient par exemple le papier, à l'imprimerie qu'ils ont développé. Mais on a au cours des siècles des encyclopédies. Dès le début de l'ère classique, même avant les Han et même avant ça, qui consigne tous les faits historiques du ciel, scientifiques, etc. Et donc, en fait, c'était pour les Chinois une façon de garder une mémoire du temps. Alors, donc, il n'y avait pas du tout de discontinuité entre le présent et le passé. Et d'ailleurs, les grandes philosophies chinoises ont opéré une grande continuité. Elles sont nées, effectivement, dans la période classique, quelques siècles avant notre ère, et ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et parce que, en fait, pour les Chinois, toute révolution s'inscrit dans un grand cycle du temps. Il faut absolument garder... Mais c'est obsessionnel, c'est-à-dire ils gardaient toutes les dates. Quand je vous dis 4 juillet 1054, c'est, voilà, ils ont gardé cette date très exactement, et c'est un petit fait par rapport à beaucoup d'autres faits. On peut reconstituer toute la succession des empereurs chinois grâce à des textes historiques, même dans le passé très très lointain. Donc en fait, ils ont gardé ce fil temporel. Ont-ils développé des outils d'observation qui permettaient justement d'affiner avec une précision extrême les mouvements des planètes, de la Lune, quelque part faire des éphémérides et peut-être comme cela aussi prévoir, vous avez parlé des éclipses, mais des événements suffisamment longtemps à l'avance. Ah ben, bien sûr, parce qu'effectivement, en fait, ils n'étaient pas que des observateurs. Ils ont été amenés à interpréter ce qui se passait, à interpréter le mouvement des planètes, le mouvement du Soleil. Et donc, ces calendriers qu'ils construisaient, année par année, année après année, étaient totalement complets. Ce n'était pas seulement la suite des jours. C'était la prédiction des éclipses, c'était le mouvement de toutes les planètes. Et ils consignaient ça dans des énormes documents. Les calendriers, d'ailleurs, étaient produits par millions parce qu'ils étaient diffusés dans tout l'Empire. Et comme ils avaient l'imprimerie, ça y allait. Et donc, en fait, ils consignaient... pour pouvoir, évidemment, ils se sont bien rendus compte que ça changeait. Ils ont eu, effectivement, le goût de savoir qu'est-ce qui se passait, comment on pouvait prévoir l'année qui allait venir. Et ils ont utilisé des méthodes totalement différentes de celles qui nous ont été enseignées, notamment dans la culture classique européenne, par les Grecs qui travaillent avec la géométrie. Vous savez, on travaille avec les cercles, après avec les ellipses. Eux ne sont pas du tout préoccupés de cette vision géométrique, mais ils ont une vision qu'on appelle aujourd'hui analytique, algébrique. C'est-à-dire, ils faisaient des équations, et ce que nous appelons maintenant l'extrapolation, ils le faisaient avec des équations. C'est-à-dire, nous, on a retrouvé ça avec Newton, avec Laplace, etc. Mais eux le faisaient dès le départ. Avec vous savez, on a un certain nombre d'équations de différents degrés. Plus vous voulez être précis, plus il faut rajouter des degrés. Donc, ils ont commencé avec l'extrapolation linéaire. C'est-à-dire, bon, on fait une proportion, puis ce qui viendra après, ça sera exactement ce qui a été la même proportion qu'avant. Mais après, ils se sont aperçus que c'était plus compliqué. Donc, ils ont développé des mathématiques tellement puissantes que lorsque les jésuites sont arrivés, et là, nous sommes au XVIIe siècle, tout puissant, puisqu'ils avaient les logarithmes, ils avaient les lois de Kepler, etc. Ils sont aperçus que les Chinois produisaient des calendriers absolument équivalents aux leurs et prédisaient aussi bien les éclipses qu'eux. Ils ont été totalement surpris parce qu'il n'y avait pas une once de théorie comme les ellipses ou les cercles. C'était juste des calculs. Et donc, c'est très, très étonnant. Mais on a été très, très longtemps sans comprendre cet aspect-là, parce que les jésuites ne nous ont pas donné tout à fait un bon compte-rendu de ce qu'ils avaient appris. Ils n'ont pas bien compris la philosophie des Chinois. C'est l'empirisme contre la logique.
Oui, c'est ça. C'est l'empirisme contre la, oui, la théorie abstraite. C'est-à-dire que, alors c'est très profond hein, comme philosophie, même au terme de la science moderne. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit calculer pour prévoir ou on doit se faire une représentation idyllique parfaite pour pouvoir après utiliser une loi soi-disant parfaite. C'est très profond. Hein. Est-ce qu'ils avaient une vision du monde, une cosmologie qui correspondait aussi à ce lien entre le ciel et la terre ? Et oui, mais ils en avaient plusieurs. Et ça, c'est aussi stupéfiant parce que moi, en tant qu'Européen, j'étais pas prêt à recevoir cette idée-là. Si on parle de la civilisation Han, du début de la civilisation classique, donc des Han, entre moins 200 et plus 200, eh bien, dans cette époque-là, qui est le début vraiment de la grande culture classique, il n'y avait pas une représentation du ciel, il y en avait trois. Et trois totalement différentes. Ce qui, pour nous, est absurde, parce qu'on dit, bah non, s'il y en a une, ça ne peut pas être l'autre. Mais non, la pensée orientale se nourrit de compléments, de dualités. Et il n'y a pas problème s'il y a une vision apparemment contradictoire avec une autre. Et les trois visions, je vous les résumer assez facilement. Il y a la vision la plus traditionnelle, la plus ancienne, c'était une terre plate, carrée, recouverte par un ciel qui était une demi-sphère. Et l'image qu'en donnaient les Chinois avec l'animal mythique, c'était la tortue. La tortue symbolise le cosmos à cause de ça. Elle a une base plate. Ensuite, vous aviez effectivement une autre théorie où la Terre était, comme le jaune d'œuf au centre. Donc la Terre est ronde au centre et tout autour, vous avez l'univers. Et puis vous aviez une troisième théorie qu'on appelait la théorie du vide infini, qui est beaucoup plus troublante. Et c'est à la même époque tout ça. C'était différentes écoles de pensée qui disaient, eh bien, tous les astres sont de la vapeur condensée. La Terre est de la vapeur condensée, les étoiles sont de la vapeur condensée et ils flottent dans l'espace librement, dans l'infini. Qui est une vision, une intuition évidemment, pas une vision démontrée, mais qui est totalement la vision moderne que nous avons du cosmos. Et vous voyez qu'il ne faisait pas difficulté d'avoir des joutes verbales, des discussions, en disant « moi, de ce côté-là, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça ». Et c'est très très profond aussi, puisque si nous analysons bien, même nos théories modernes peuvent s'interpréter différemment. En deux mots, si vous voulez, on parle de la Terre plate et de la Terre ronde. Si vous réfléchissez, les deux sont des bonnes descriptions. Si vous voulez construire votre maison, vous avez une Terre plate. C'est pas la peine de vous embêter à faire des calculs du fait que la Terre est ronde. En revanche, si vous envoyez un satellite, il faut utiliser le modèle de la Terre ronde, parce que sinon, vous allez faire des grosses erreurs. Donc, les deux sont différentes visions de la même réalité. Et c'est ce que la science moderne n'a peut-être pas bien compris encore. On peut avoir deux visions différentes et opératoires, mais dans différentes conditions. Et vous écrivez, Jean-Marc, j'ai pris conscience de l'enfermement culturel dont nous souffrons en tant que scientifique moderne en Europe. Scientifique moderne Europe. Ben oui, parce que je pense que ça a des conséquences, évidemment. Alors, nous, il faut bien ce que j'ai appris de la Chine, c'est ma propre culture, le déficit de ma propre culture européenne. Donc, nos bases finalement idéologiques et scientifiques sont dans la Grèce ancienne. Entre la Grèce ancienne et ce que nous appelons la révolution scientifique qui commence au XVIIe siècle, il y a 1500 ans. Qu'a-t-on fait pendant 1500 ans ? Ben, vous êtes effarés, on n'a pratiquement rien fait. Un peu d'alchimie, un peu de médecine, pas d'astronomie du tout. Donc c'est perturbant quand vous vous rendez compte de ça. D'ailleurs, vous dites, mais pourquoi rien n'a bougé pendant 1500 ans en Europe ? Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est évidemment le poids de la religion. Donc ça, c'est quelque chose que n'ont pas eu les Chinois. En Chine, il n'y a pas de religion, il y a des philosophies. Donc il n'y en a pas une qui a pris le pas sur l'autre. Nous, à l'inverse, on a une on a des religions monothéistes, mais qui ont toutes professé la même chose. C'est-à-dire la pureté du ciel était due à une volonté divine et que l'homme n'avait pas à regarder le ciel. D'ailleurs, les gens qui ont essayé de regarder le ciel en disant qu'il s'y passait quelque chose ont payé parfois de leur vie, évidemment. On sait bien les histoires qui se sont passées. Donc, c'est stupéfiant quand on s'intéresse à une autre partie du monde de réaliser eux n'ont pas du tout fonctionné comme ça. Et à leur grand avantage, parce qu'ils ont du coup, effectivement, fait énormément de découvertes astronomiques, découvertes dans un tas de domaines de la technologie. Donc, c'est un peu étonnant pour nous. Alors ça, c'est votre seconde vie avec les Chinois. C'est le deuxième livre sur les sciences de l'Empire du Milieu. J'ai trouvé un bon résumé, c'est vous qui l'écrivez. Vous dites, si la Chine ancienne avait déposé les brevets de l'ensemble de ses inventions, l'Europe moderne serait sans aucun doute en faillite devant l'ampleur du montant des royalties qu'elle serait dans l'obligation de lui verser.
tellement le nombre d'inventions chinoises passées, je dirais, inconnues, ou en tout cas sous le boisseau en Europe, est extrêmement important. Vous en citez, enfin, vous en citez pas mal, mais il y a 8 ou 9 dans ce livre. La soie, le papier, l'imprimerie, la poudre, la boussole, l'acupuncture, donc un certain nombre de techniques, aussi de la science, avec à chaque fois une vision. La soie ouvre l'idée de la mondialisation. On parle aujourd'hui de la route ou des routes de la soie. Vous montrez combien il était important à travers un produit unique, secret, caché, de faire voyager quand même ce produit. Mais je vous en ai parlé, je voulais quand même m'attarder d'abord sur le papier. Parce que moi, j'étais intimement convaincu que le papier, il était soit venu d'Égypte avec le papyrus, soit il était, enfin, il avait surgi plutôt de l'Occident. Et vous montrez très précisément que le papier est inventé en Chine, mais il y a très longtemps, et que c'est le fruit d'un aller-retour. Vous parlez même de recherche et développement, en quelque sorte. C'est le processus d'itération dont on parlait tout à l'heure, avec quelque chose qui est absolument incroyable. C'est que c'est du bon papier. C'est un papier qui va permettre de diffuser des idées, qui va permettre de conserver les traces dont on exploite aujourd'hui les informations. Mais le papier, c'est un point extrêmement puissant dans ce que vous racontez là. C'était une découverte pour vous ? Oui, oui, absolument. Enfin, j'avais quand même conscience que effectivement, ces inventions comme le papier et aussi l'imprimerie venaient de Chine, mais j'avais pas réalisé à quel point c'était un travail scientifique qu'il était nécessaire de faire. C'est-à-dire que je pense que les Chinois, comme tout un chacun, ont pu s'inspirer du fait que quand vous regardez une guêpe malaxée des morceaux de bois, vous voyez qu'elle produit une espèce de structure, donc qui est une forme de papier. Les Chinois sont sans doute inspirés de ça, mais en regardant ça, ils ont dit mais comment on peut le faire, comment on peut le fabriquer. Et c'est toute une recherche parce qu'il faut effectivement broyer de l'écorce de mûrier avec de l'eau, essayer de le dissoudre complètement, ensuite en faire des couches très très fines, le faire sécher. Enfin, c'est toute une technologie et ça a demandé des années de mise au point. C'est pas juste Eureka, j'ai trouvé ça. C'est une vision un peu naïve que l'on a. Et en fait, le problème, c'est qu'ils étaient motivés, je pense, par le fait qu'ils voulaient garder les connaissances. Et donc, en lançant 5, on considère qu'arrive l'invention du papier. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a trouvé des papiers beaucoup plus anciens. Donc, on sait que c'est juste la production industrielle du papier en lançant 5, c'est-à-dire il y a près de 2000 ans maintenant. Et donc, ce papier, finalement, il va voyager. Alors, nous, on en a gardé. Quand vous lisez des anciens ouvrages, on vous parle du papier arabe parce que, en fait, beaucoup de découvertes chinoises, la Chine était très lointaine, hein, même si elle était reliée par la route de la soie. En fait, il n'y avait jamais de connexion réelle, directe entre la Chine et l'Europe. Il y avait toujours les populations moyen-orientales qui faisait l'intermédiaire, l'Asie intermédiaire. Et donc, personne n'avait contact avec personne. Mais les produits voyageaient. Donc, la soie a voyagé, le papier a voyagé. Mais très tardivement. Le papier, en fait, c'est une histoire avec une bataille qui a eu lieu en 751 où la pression des exodes arabes, des abbassides, sont contre les Tang. Et en fait, ils perdent la bataille. Et du coup, les Arabes font une razzia et emmènent chez eux des artisans du coin qui savent fabriquer le papier. Et de là, le papier passe à Byzance, puis après, effectivement, avec les conquêtes en Andalousie. Et c'est la reconquête de l'Andalousie et de l'Espagne par les armées francs qui récupère ça. Et le premier moulin à papier apparaît à Troyes en 1348. Donc, entre l'an 100 et 1348, l'Europe est privée d'un élément essentiel dans la transmission des connaissances, c'est le papier. C'est énorme parce que c'est aussi... Alors, j'ai découvert que c'était aussi le papier toilette. Ça fait rire, mais c'est le papier toilette. C'est les cartes de visite. La carte de visite en Chine est extrêmement importante. De donner sa carte de visite, c'est donner son identité. C'est le papier monnaie. Oui. C'est la monnaie, battre monnaie sur du papier. Ça nous paraît aujourd'hui trivial, mais c'est inventé en Chine. Ah non, il y a des applications multiples du papier. Et le papier monnaie, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est fait connaître à l'extérieur, le papier. Parce que les Mongols, quand ils ont envahi la Chine, avaient effectivement un empire qui s'étendait jusqu'au Moyen-Orient. Et en fait, ils continuaient à battre monnaie, à la fabriquer sur des morceaux de papier. Donc, ça s'est connu comme ça.
Mais on a mis du temps. Alors, on a eu beaucoup de temps à maîtriser la technologie du papier parce que pendant très longtemps, on ne voulait pas inscrire les actes officiels sur du papier parce qu'ils se désagrégaient au bout d'un certain temps. Alors que vous voyez, moi, la carte d'étoile chinoise de 600, elle est impeccable. C'est un papier très, très fin, mais il est impeccable. Et comme il se désagrégait, en fait, il a fallu arriver en 1792. C'est la Révolution française qui a autorisé pour la première fois, au lieu du parchemin qu'on utilisait, donc des peaux de bêtes qui étaient très, très, très chères parce que pour écrire un livre, il fallait sacrifier un troupeau. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout la même économie. Quoi. Et bien, en 1792, la Révolution française a dit, voilà, c'est terminé, les actes seront plus écrits sur parchemin, mais on a le droit de les écrire sur papier. Et, voyez, il fallait attendre 1792. Bon, j'étais déçu pour Gutenberg, parce que j'avais appris à l'école que Gutenberg avait inventé l'imprimerie. Alors, il faut reconnaître que Gutenberg a amélioré. Parce que, alors, dans l'imprimerie, c'est encore une autre histoire, parce que c'est aussi antédiluvien chez les Chinois, mais sous différentes formes que la forme que nous connaissons, qu'on appelle typographie. Parce qu'au départ, justement, dans l'obsession qu'il fallait garder toutes les connaissances, on les écrivait, donc, au départ, gravés sur des dalles, c'est-à-dire des immenses dalles de pierre, de 2 mètres de haut, et on gravait tous les textes, notamment les textes philosophiques, etc. Et ça permettait, comme le papier était inventé, une fois que ces dalles avaient été gravées, quelquefois dans des temps assez anciens, on venait à poser une feuille de papier très fine, avec de l'encre, et par estampage, on en avait autant de copies qu'on le voulait. Simplement, le problème, c'est qu'il fallait être près de la pierre pour pouvoir la copier. Alors, très rapidement, ils ont changé de méthode. Ils ont fait des blocs de bois gravés, donc ça s'appelle la xylographie. C'est à peu près 70 cm par 25 cm. C'est comme ça que la carte que j'ai utilisée a été faite en partie. Enfin, d'autres documents que la carte, parce que la carte était manuscrite. Eh bien, en fait, effectivement, à ce moment-là, on les gravait soigneusement. De la même façon, on les ancrait, posait le papier. Et là, vous pouviez en produire dans n'importe quelle région de l'Empire. Et ça s'est développé, là, en étant les années 600, à partir des années 600. Donc, vous voyez déjà une imprimerie depuis les Han sur la pierre, 600. Et ensuite viendra en 1048 un inventeur, qu'on appelle Bisheng, effectivement, qui lui se dit, mais en fait, c'est dommage que de temps en temps, il faut modifier les blocs de bois s'usaient, certaines lettres, des caractères chinois s'abîmaient, il fallait les refaire. Alors, de temps en temps, il les redécoupait, il remettait un bout de caractère sur la planche de bois. Il s'est dit, mais pourquoi pas rendre les caractères indépendants les uns des autres ? Et ils ont fait ça par une méthode très simple, où ils utilisaient une plaque de fer avec du goudron, enfin de la, comment on appelle ça, des arbres de la... La résine. La résine, c'est ça. La résine. Et ils plaçaient les petits caractères qui avaient été cuits dans l'argile cuite, donc ouais. C'est de la céramique, bien aplanie, c'est très technique. Hein. Et ensuite, ils venaient appliquer leur planche, leur feuille de papier. Alors, vous voyez que ce n'était pas tellement la meilleure solution pour la langue chinoise. Parce que nous avons 26 caractères plus les variantes, ça fait à peu près 40 ou 50 caractères différents avec lesquels on peut former tous les mots. Eux, n'ayant que les caractères, il y a à peu près 6000 caractères usuels, et même pour le chinois usuel, ça fait beaucoup. En réalité, on peut se débrouiller avec 3000, mais alors ils avaient trouvé des méthodes, ils mettaient dans des grandes tables tournantes, et puis ils appelaient les caractères par des numéros ou des noms, et ils faisaient comme ça de la typographie comme a fait Gutenberg dans l'imprimerie moderne. Simplement, pour ces raisons-là, c'est pas développé autant que chez nous, quoi, finalement. Bon, tout le monde sait que les Chinois ont inventé la poudre, parce que les feux d'artifice, etc. Par contre, pour moi, la découverte, c'est de savoir que cette invention est liée à une quête d'immortalité. Dites-nous en plus. Ah oui, ben, la quête d'immortalité, elle est éternelle, puisqu'on sait que maintenant, même des grands investisseurs cherchent comment faire un homme, finalement, un homme bionique qui pourrait passer les années. Mais dans les époques les plus anciennes de la Chine, enfin, surtout à partir du premier empereur. Le premier empereur, celui qui a été effectivement symbolisé par qu'on connaît bien par le tombeau qui lui est dédié, qui est à Xian ou à tous ces soldats de terre cuite. Donc c'est le tombeau du premier empereur, bien qu'il n'ait pas encore été ouvert, il est au bout de cette allée de soldats. Eh bien, ce premier empereur, qui a créé, qui a unifié toute la Chine, était obsédé par l'immortalité et il a fait travailler beaucoup de ses compatriotes à trouver où se cachait la magie de la matière pour être immortel. Et donc, il y a une alchimie chinoise qui s'est développée, mais très, très élaborée. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il fallait chauffer pour à partir de quelque chose, ce quelque chose était fait de différentes choses, il fallait le chauffer pour séparer les éléments. Et ils ont commencé à faire ça avec une matière qui est connue, qui s'appelle le cinabre.
et qui fait toute la couleur très rouge, notamment des laques chinoises et des choses comme ça. Donc le synapse est rouge, c'est un sulfure de mercure. Mais quand vous le chauffez, vous le séparez en soufre et en mercure. Donc de rouge, de poudre rouge, vous avez un élément jaune et un élément argenté, qui est vif argent, comme ça, qui est fascinant pour n'importe qui voit des marchands de mercure. Et donc, ils étaient persuadés, comme on pouvait les recombiner, ils étaient persuadés qu'à travers ce synapse, il y avait une forme d'immortalité, puisqu'on pouvait produire de nouvelles choses et les recombiner ad vitam aeternam. Et donc, ils ont travaillé comme ça beaucoup de temps, et on pense que le premier empereur est mort d'une ingestion de mercure. Parce qu'on a trouvé des émanations dans son tombeau, etc. Donc voilà, ça n'a pas donné de bons résultats pour l'époque. Mais c'est ce même empereur, donc, qui s'appelait Qin Shi Huangdi, qui a aussi brûlé tous les livres de son époque pour effacer la mémoire des empereurs précédents. Ça, c'est un drame. C'est un drame. Et c'est évidemment, la Chine a une très très longue histoire. Très, très homogène, très cohérente, mais interrompue par des périodes de compète, chaos, quoi, finalement. Et donc, ce premier empereur, quand il a unifié la Chine, il s'affrontait à une culture déjà très, très évoluée. Toutes les philosophies, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme étaient là, pas le bouddhisme, justement, pas le bouddhisme qui était arrivé ailleurs. Et donc, des tas de philosophies étaient discutées, et il y avait des lettrés chinois qui étaient les références de tous les royaumes anciens. Et lui, il voulait unifier, donc il ne voulait pas de compétiteurs, il ne voulait pas qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Et il a tellement été exaspéré qu'en 213 avant notre ère, il a décidé qu'on devait brûler tous les livres. Alors ça veut dire tous les livres que les gens avaient écrits à l'époque, ils n'avaient pas encore l'imprimerie, mais c'était des baguettes de bambou, c'était des écritures sur soie, des choses comme ça qui étaient très précieuses. Alors effectivement, c'est un auto-da-fé qui a créé un hiatus dans la mémoire chinoise, dont je pense qu'il a déclenché par la suite cette obsession de garder tout, hein, des encyclopédies, etc. Parce qu'effectivement, de cette période-là, avant ce premier empereur, on a perdu beaucoup de choses. Pour l'astronomie, pas tant. Beaucoup de choses ou tout ? Ah, pas tout, parce que tout ce qui concernait la médecine n'avait pas été concerné. Tout ce qui concernait aussi la divination par les astres n'avait pas été concerné. On a sans doute perdu. Et puis après, il y a des textes qui n'ont pas été atteints. Il fallait faire ça dans tout l'Empire. Donc il reste. Et surtout, on a, plutôt que ça, plutôt que de reste direct, on a découvert maintenant, et c'est un peu l'objet de ce livre aussi de l'expliquer, des tas de découvertes archéologiques très récentes qui nous mettent à jour des documents, évidemment, qu'ils ne pouvaient pas avoir accès, puisqu'ils étaient dans un tombeau 30 mètres sous terre, donc qui ressurgissent aujourd'hui. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps, parce que vous êtes intarissable, et ce livre est bourré, non, mais c'est génial, ce livre est bourré d'histoires, d'anecdotes, et montre justement cette interaction continue et ces améliorations continues. Pourquoi est-ce que ces découvertes, ou en tout cas, ces découvertes, se sont faites en Chine et pas ailleurs? Pourquoi la Chine? Oui, c'est vraiment une question effectivement qui taraude, parce que en fait il y a pas seulement la Chine et l'Europe, il y a tout l'ensemble du monde. Alors je pense que la Chine est la seule civilisation encore existante d'ailleurs qui a duré aussi longtemps sur des bases culturelles, philosophiques et politiques identiques. Si vous comparez les Han, et bien avant les Han, au Ming, qui était une des dernières dynasties, vous avez la même façon de penser, la même façon de faire les choses. Et les envahisseurs qui ont envahi la Chine à plusieurs reprises, que ce soit justement les Mongols au XIIIe siècle ou les Qing de la dernière dynastie Mandchou, en fait, se sont sinisés. Donc même eux, en fait, ont appliqué les mêmes recettes. Alors cette continuité historique, cette continuité évidemment de l'écriture, et ça nous on n'a pas été non plus très très gâtés là-dessus, il forge l'écriture, on va dire au 4e siècle avant notre ère, hein, et cette écriture elle reste identique, c'est-à-dire que je peux lire aujourd'hui des textes écrits sous les Han. Est-ce que vous pouvez lire même des textes écrits au 16e siècle? Même ça, on ne peut pas le faire parce que le français, les S sont des F, les mots sont très, très déformés. Donc, en fait, continuité historique, conservation des documents. Donc, cette continuité a amené que les gens avaient du temps, en fait, finalement. Et comme ils conservaient les sciences d'avant, les connaissances d'avant, eh bien, ils progressaient pas à pas, une découverte après une découverte. Tout ne s'est pas fait en un jour, hein. Toutes ces découvertes se sont étalées sur 1500 ans, au moins. Donc, en fait, c'est simplement que... Et vous aviez la même force politique parce que c'était une science d'État. Nous, on n'a jamais eu de science d'État en Europe.
Les penseurs grecs, c'était des penseurs isolés, hein, qui étaient effectivement, travaillaient à leur compte, d'une certaine façon. Avec un peu de chance, il y avait peut-être un mécène de temps en temps. C'était pas une structure étatique. On peut comparer la Chine d'il y a 2000 ans avec notre science d'aujourd'hui, où il y a le CERN, le CEA, des gens qui sont payés par le gouvernement pour faire des recherches. Bon, et en quoi? Ils ont une vision à long terme. Ils sont pas à répondre à n'importe quelle demande immédiate. Et donc, ça a créé cette réflexion. Et ensuite, ils ont une interrogation sur la nature que j'ai trouvé subjugant. Oui, alors ça je voudrais pas qu'on l'occulte. Il y a une interrogation sur la nature et aussi un positionnement de l'homme par rapport à la nature qui est tout à fait spécifique. Vous parlez à un moment donné d'acupuncture. Vous expliquez la médecine chinoise qu'on connaît, en tout cas qu'on pense connaître ici en Occident. Et une anecdote que vous racontez qui dit, voilà, pour bien comprendre la différence, ici en Occident, on va chez le médecin quand on est malade et on le paye pour qu'il nous soigne. Quand on va en Chine, on va chez le médecin pour ne pas tomber malade et on arrête de le payer si on l'est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça montre la différence de philosophie. C'est-à-dire que, effectivement, l'esprit chinois, c'est toujours de se garder. On parle beaucoup d'harmonie quand on parle de la pensée asiatique, mais c'est vrai, harmonie ciel-terre, harmonie de l'homme avec la nature qui l'environne. Et donc, ça, évidemment, dans les temps les plus anciens, et ça s'est conservé. Et donc, ça donne une position complètement différente. Évidemment, on peut dire que c'est cette forme d'écologie naturelle qui se traduit par le fait que, comme vous faites partie de la nature, vous investiguez tout ce qui se passe autour de vous. N'étant pas séparé, vous vous comparez à une guêpe, vous vous comparez à un ours, vous comparez à un arbre, et donc la philosophie, la poésie chinoise notamment, est très très influencée par toute la nature qui les environne et qui les a amenés à se poser la question, mais pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça ne marche pas comme ça. Et c'est profondément dans la médecine, ce qui est intéressant d'ailleurs. Moi, j'ai été intéressé de voir que l'évolution de la pensée européenne, en fait quand même on a fait notre évolution scientifique, maintenant on commence à faire un peu notre évolution culturelle en se disant on n'a pas toujours pensé de la bonne façon de temps en temps, c'est-à-dire en mettant l'homme en dehors de la nature, on a fait une erreur. D'ailleurs, on voit les conséquences que ça a amené. Et donc, dans la médecine chinoise, c'est ça, c'est très, très profond. Parce que, je pense que les deux méthodes ont des bons résultats. La pensée analytique européenne, on pourrait dire que la pensée européenne est analytique, elle découpe tout en petits morceaux pour étudier les morceaux les uns après les autres. Et la pensée chinoise est ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire, holistique, ça vient de holos, le tout en grec, c'est qu'elle considère toujours l'ensemble comme un tout. Et elle étudiait le tout pour savoir comment la partie peut s'intégrer dans le tout. Et la médecine chinoise, c'est exactement ça. Hein. Quand l'acupuncture a essayé de s'introduire en Europe, les médecins européens ont dit « mais vous êtes fous, ils vous piquent ici parce que vous avez mal là ». Enfin, ça ne va pas. Mais non, parce que dans la pensée chinoise, qu'elle soit avérée ou non, qu'elle soit démontrée ou non, là je ne rentrerai pas dans le débat de l'efficacité de l'acupuncture, mais c'est que vous êtes un tout et donc tout est relié. Et donc, en fait, finalement, c'est comme pour votre voiture, je l'explique un peu dans le livre comme ça, si votre voiture, elle ne marche pas, pour qu'elle marche, il faut écouter sans cesse quand elle marche, comment elle marche. Et que vous entendrez tout d'un coup un petit bruit, vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous êtes bien portant, vous surveillez que vous êtes bien portant. Et tandis que nous, on attend qu'elle tombe en panne, et puis on dépiaute tout. Ah, ben c'est l'alternateur. Et donc, en fait, on va réparer l'alternateur, mais c'est trop tard, vous êtes déjà tombé en panne. Mais pour la médecine, c'est pareil. Alors, la médecine chinoise est un petit peu attractive par ça, parce qu'on sent confusément quand même qu'on est un tout. Hein. On est soumis à des tas d'influences, ça circule partout. Donc, la pensée analytique a peut-être un peu ses limites dans la médecine moderne. Alors, la science chinoise et la Chine va connaître une éclipse importante pendant 3 siècles. On n'a pas le temps ici d'en détailler les raisons, mais vous concluez, votre livre en expliquant qu'on a largement sous-estimé la capacité de la culture chinoise. Ça, c'est un fait. Vous l'expliquez, vous le décrivez, vous le démontrez. Que vous cherchez à travers cet ouvrage à rééquilibrer en quelque sorte la perception qui est trop dépréciatrice, je vais y arriver, de l'Europe par rapport à cette culture-là, voire méprisante. Vous utilisez ce mot aussi régulièrement et vous dites, regardez, aujourd'hui les choses changent, la Chine est sur la Lune, la Chine se pose sur Mars du premier coup, c'est pas évident, les taïkonautes sont dans l'espace et tout va très vite. D'ailleurs, les premières expériences de physique quantique en orbite ont lieu aussi
dans l'espace. Donc, vous dites, vous posez la question, vous terminez en disant, est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine ? C'est une question tout à fait importante, en sachant qu'en plus, la production scientifique chinoise va vraisemblablement dépasser la production scientifique américaine en nombre de publications. Sauf qu'on peut peut-être quand même, à un moment donné, vous accuser de naïveté, peut-être de complaisance pour certains qui vous suspecteront, finalement de ne pas mettre en lumière aussi les côtés sombres du régime, hein, qu'on pointe tous du doigt en Occident en disant quand même la Chine aujourd'hui n'est pas la Chine du passé. Elle ignore la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression, elle surveille les individus, elle les exploite, elle consomme sans se préoccuper trop des gaz à effet de serre en continu, etc. etc. Est-ce que vous ne pensez pas être victime d'aveuglement pour l'avenir, tant la brillance des lumières du passé que vous avez découvertes est forte ? Non, je ne pense pas ça. C'est une jolie question. Mais oui, c'était une bonne question. Bien sûr. Non, le fait est que ce que je voulais combler, parce qu'en fait, il me semble que peu d'entre nous ont l'occasion d'aller en Chine ou de côtoyer une civilisation qui finalement est très, très différente de la nôtre. Très, très différente. Donc, qui nous paraît très étrangère. En fait, elle est moins étrangère qu'on ne pense. Ceux qui lisent la poésie chinoise, des choses comme ça, ou même les romans de science-fiction chinois à l'heure actuelle, peuvent s'en rendre compte. Donc, ce que je voulais combler, c'était de dire, nous, en tant qu'Européens, parce que nous avons pris une place prédominante dans le monde, à l'issue, évidemment, des colonisations, des explorations, etc., que nous n'avons pas forcément gagné uniquement avec nos propres forces, puisqu'on a vu qu'évidemment, nous avons beaucoup emprunté au reste du monde, eh bien, nous devons connaître le reste du monde. Et j'ai voulu simplement combler cette absence de connaissances. Je suis parti de cette histoire d'encyclopédie qui ne parlait pas du tout d'astronomie chinoise. Et donc, j'ai voulu faire le pont avec la science moderne, simplement pour montrer qu'il ne fallait pas s'étonner que, entre guillemets, l'esprit chinois soit si t'es efficace dans la science, puis qu'il l'a toujours été. Donc c'est ça. Mais je ne me porte pas pour autant garant du régime politique chinois et j'aimerais bien que chacun d'entre nous se distingue de cet aspect-là. On peut simplement voir, surtout dans le domaine de la science, de la philosophie, des idées, de la littérature, voir qu'il y a deux mondes. Il y a le monde politique et le monde des scientifiques, des chercheurs, des écrivains. Et on voit bien qu'effectivement, ce sont deux mondes séparés. Moi, si je montre les succès de la science chinoise, c'est juste pour montrer que c'est sans doute la persistante de cet esprit d'exploration qu'ont toujours montré les scientifiques chinois depuis des siècles. C'est tout. Je ne dis pas que c'est... Et par là même, je ne rends pas forcément hommage au régime politique qui dirige la Chine. Je pense pertinemment, ce serait un autre régime politique, on aurait les mêmes résultats. Donc c'est tout. C'est une chose assez simple comme ça. Après, on peut se poser des questions. Comment on pourrait diriger un pays de un milliard 1,4 milliard, qui ont été passés par la Chine, d'individus. C'est très compliqué, ça. On n'en a pas conscience, qu'on est des petits pays, mais bon. Donc ça, c'est une autre discussion. Mais donc, j'aimerais, dans la mesure des choses, qu'on puisse faire une... Sinon, on est coincé. Si on prend, encore une fois, même le monde du sport, si vous voulez, et maintenant, devient un enjeu politique. Alors, vous ne pouvez plus être sportif, vous ne pouvez plus être scientifique, sans porter allégeance à un régime ou alors à un autre. Je pense qu'on ne sait pas notre... Alors, ce que vous pointez, évidemment... Et qui nous intéresse beaucoup, c'est de l'importance de l'histoire des sciences, et de l'importance de la connaissance de l'origine des savoirs. Est-ce que vous estimez, et pas seulement par rapport à la Chine, mais de façon globale, est-ce que l'histoire des sciences est parent pauvre de nos enseignements, parent pauvre de nos connaissances, et qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus indispensable de connaître l'origine de nos savoirs plutôt que de connaître le savoir lui-même qui est accessible à tout moment, à tout instant, à la vitesse de la lumière par Internet. Ah oui, ben je pense que alors c'est très très difficile à expliquer ça parce que l'histoire des sciences est confondue avec le passéisme. C'est pas parce qu'on s'intéresse à tel écrit de Buffon, tel écrit de Laplace ou qu'on est passéiste. On veut juste comprendre comment les gens pensaient. Pourquoi on veut comprendre comment les gens pensaient? Parce qu'on continue à penser comme eux, on a le même cerveau. Hein. Simplement, on a des problèmes différents à résoudre. Et parfois, les méthodes qu'ils employaient peuvent s'appliquer encore aujourd'hui si on voulait se revenir à comment ils pensaient. Surtout qu'ils avaient la chance à leur époque d'avoir une vision beaucoup
beaucoup plus globale de la science. C'était pas des scientifiques dans des domaines très, très, très étroits. Moi-même, je suis un hyper spécialiste de l'astronomie en étudiant, comme tu l'as dit, les objets denses et pas les galaxies. Donc, voyez comme... Donc très rapidement, on perd de vue la globalité de son sujet. Et les scientifiques anciens, surtout quand ils écrivaient très, très bien, donc on peut les lire très facilement, ils vous redonnent des idées nouvelles. Et par rapport notamment aux autres cultures, ça c'est déjà dans notre propre culture, l'histoire des sciences dans notre propre culture, et a fortiori dans les cultures autres, parce que ça on en prend encore beaucoup mieux. Et moi je me suis fait une vision maintenant un peu différente, puisque vous savez que la physique moderne est sur le point de rencontrer une impasse fondamentale, qui est liée à ce que nous appelons le déterminisme, c'est-à-dire que nous, dans la pensée cartésienne, la science moderne, c'est de dire une cause entraîne un effet, et la loi peut permettre de prédire tout, puisque quand on a la bonne équation, on peut tout prédire et rien ne viendra perturber ça. Ce qu'on appelle le déterminisme. Les choses sont déterminées, il suffit de trouver la bonne clé. D'ailleurs, Laplace, dont je parlais à multiples reprises, avait trouvé que c'était génial parce qu'il avait effectivement décrit toutes les lois des planètes avec les lois de Newton et de Kepler, et ça marchait très bien. Il disait, bon voilà, la grande horloge cosmique terminée, j'ai plus rien à y toucher. Eh bien, depuis un certain nombre d'années, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Ces choses aussi simples que ça ne marchent pas. Parce que vous avez isolé, comme je le disais, un petit problème, une planète autour du Soleil. Certes, la première approximation, ça va marcher. Mais ensuite, les autres planètes, puis peut-être les autres étoiles à tour, chacune va exercer une petite perturbation et vous ne pouvez pas calculer. Dans 100 millions d'années, on est incapable de dire où seront les planètes autour du système solaire, malgré qu'on ait les lois Newton, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle maintenant le chaos, c'est que si vous changez un tout petit peu à un moment donné une équation, elle diverge vers une autre solution. Ça s'appelle le chaos. Et on est, depuis une trentaine, quarantaine d'années, en train de se creuser la tête. Comment ça se fait qu'avec des lois soi-disant exactes, on tombe sur ce phénomène? Et on le sait parce que maintenant, on fait tourner les ordinateurs. Et on sait très bien que les planètes, vous les voyez changer. Après, de temps en temps, elles reviennent à un point d'équilibre, ce qu'on appelle un attracteur. Mais c'est subjugant. C'est-à-dire, la physique moderne, la science moderne ne peut pas expliquer ça pour l'instant. Et là, en fait, c'est là où se dit, si on abandonne le déterminisme des équations qu'on a, on abandonne le déterminisme de la réalité. Vous savez que la mécanique quantique est une part importante de la physique. Hein, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, les caméras, etc., c'est la mécanique quantique. Eh bien, nous dit, ben non, la réalité, ça peut être une onde et une particule, c'est la même chose que la lumière. Deux choses différentes, une onde et une particule. Elle veut dire, ah, une particule, ah non, ça n'existe pas. Hein. On est encore dans l'idée d'un point. Non, non, vous avez éventuellement une probabilité dans une grande région ici d'avoir peut-être un électron. Mais ça, c'est complètement stupéfiant. On est obligé de changer d'état d'esprit. Et là, la pensée asiatique, qui effectivement considère toujours qu'il y a une interaction avant tout avec le reste, nous donne des pistes, en fait, peut nous donner des pistes. C'est pour ça que je me suis dit, quand je dis est-ce que les découvertes de demain se feront en Chine, peut-être que le mode de pensée, qui est complètement différent, parce qu'ils appliquent à l'heure actuelle des recettes du cartésianisme, on pourrait dire, mais ils ont en arrière-plan de leur culture des choses différentes, pourront les amener peut-être à penser le monde différent, et y compris effectivement des choses aussi essentielles dans la physique. Et de penser peut-être comme les cosmogonies chinoises, de vivre dans trois ou quatre situations différentes. C'est-à-dire, on s'accommode très bien de la relativité générale, mais aussi de la physique quantique, alors qu'elle ne se parle pas. Voilà, et pour nous c'est un drame, mais peut-être que, alors on a toujours l'espoir, parce que, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est que notre esprit a été conditionné par cette espèce de monothéisme. C'est-à-dire, nous, c'est l'unité que l'on recherche avant tout, que ce soit avec la religion, que ce soit même dans la science, on a conservé ça. Alors, cherchant l'unité, il nous fait la loi unique. Etc. En fait, effectivement, il faut peut-être se rendre à l'évidence qu'encore une fois, le regard que vous portez sur la réalité, vous utilisez des outils pour un certain regard et d'autres outils pour un autre. Et la relativité et la mécanique quantique, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais certain, c'était la mécanique quantique, c'était à commencer dans les années 1930, vous voyez, donc on fête maintenant le centenaire de la mécanique quantique. J'aurais jamais imaginé qu'on n'ait pas résolu ce problème entre ces deux descriptions de la réalité, la relativité d'un côté et la mécanique quantique. Ben non, on est toujours devant la même échéance. Et d'ailleurs, le prix Nobel de 2022 de Alain Aspect nous a montré ça. C'est-à-dire que cet homme a passé sa vie à démontrer que non, on ne pouvait pas sortir du fait que la lumière avait deux formes différentes et qu'on pouvait la faire passer par deux trous alors que normalement, c'est qu'un seul photon. Il a eu le prix Nobel pour ça et je suis très très heureux parce qu'il s'est heurté à un scepticisme mais vraiment forcené en disant mais non, c'est pas possible, il doit y avoir d'autres paramètres qu'on ne connaît pas, etc. Mais non, alors, donc cet homme, je l'admire beaucoup parce que vraiment, qu'il ait été
récompensé par le prix Nobel, je trouve ça génial parce qu'il a eu beaucoup de mal à faire admettre que non, lui, il voyait que la réalité, c'était comme ça. Est-ce qu'on n'aime pas non plus, Jean-Marc, les belles histoires, celles qui se racontent au coin du feu et vous voyez, je vais vous emmener, et sur laquelle vous avez travaillé, c'est l'histoire du Big Bang. Dans les années entre 1995 et 2005, je crois, vous avez réalisé pour Ciel Espace un certain nombre d'entretiens avec... Alors, pas nécessairement les pairs, mais en tout cas des acteurs, des opposants du Big Bang. Alors, on peut citer Fred Hoyle, Burbidge, Narlikar, Hans Bethe, qui a eu le prix Nobel pour la découverte du mode de fonctionnement des étoiles, Sandage, etc., etc. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur la façon dont se construit une théorie qui aujourd'hui... consensuel, qui aboutit à une histoire à laquelle tout le monde aujourd'hui dans les milieux scientifiques adhère en disant c'est un modèle mais on n'a pas trouvé mieux, etc. Qu'est-ce que vous avez appris en rencontrant directement, personnellement les acteurs? Oui, c'est très important là aussi, comme pour la Chine, c'était vraiment, il faut vraiment vivre les choses personnellement, je pense. C'est difficile toujours à travers que des textes. Et en rencontrant les gens, évidemment, ils vous transmettent leurs certitudes et leurs doutes. Alors, tous ces grands scientifiques, je les ai rencontrés effectivement à la fin de leur vie, ils n'avaient plus rien à démontrer et ils laissaient apparaître leurs doutes. Parce que je pense que c'est humain, pendant sa carrière, on n'aime pas trop aller dans le domaine de l'ombre du doute. On préfère effectivement. Alors, c'était bien sûr sur l'interrogation que nous avons sur l'histoire du cosmos. Comment peut-on écrire l'histoire du cosmos? Et même ceux qui étaient partisans, on va dire, pour parler en termes vulgaires, du Big Bang, le Big Bang étant la théorie qui explique à l'heure actuelle l'évolution de l'univers, même ceux qui étaient les plus fervents partisans m'ont en fait communiqué leurs doutes sur le fait que c'était vraiment une première ébauche qui était vraiment très très simpliste, etc. Et ça m'a ouvert les yeux parce que je m'autorisais pas avant à remettre en question ce grand discours qui est présenté tout le temps sous de multiples formes très convaincantes avec des décimales, 13,7 milliards d'années, l'univers, etc. Si vous analysez, je regrette que le grand public n'ait pas accès à ces discussions-là, même si on essaye de le faire. Moi, j'ai fait un petit bouquin sur le Big Bang pour ça. Leur donner accès au fait que rien de tout ce qu'on vous dit n'est vraiment démontré. Ce sont encore que des hypothèses. Donc, arrêtons de dire l'univers a 13,7 milliards d'années. Peut-être avec les hypothèses que nous avons. Et plus nous allons, plus cette fameuse description montre des failles. Et ces gens-là m'ont montré que oui, il fallait toujours questionner même les résultats qui semblaient les plus acquis. Le doute, c'est l'arme ultime de la science. C'est pas la certitude. On ne doit jamais être certain, on doit toujours douter. Et donc, il y a, effectivement, vous le savez, par souci effectivement, d'impressionner, de réécrire une belle histoire, beaucoup de scientifiques actuellement exagèrent un peu en présentant les choses comme déjà résolues, alors que c'est un énorme chantier, l'histoire de l'univers, un énorme chantier, et les difficultés s'accumulent. On a encore dernièrement, là, depuis un an, les résultats de ce grand satellite, s'appelait James Webb, 6 mètres de diamètre, dans l'espace, hein, pour observer les galaxies les plus lointaines, et ben, manque de peau. On croyait voir des galaxies, on en a vu d'autres types, elles sont déjà très évoluées. Donc, de nouveau, ça ne marche pas avec l'image qu'on avait de l'histoire de l'univers. Bon, alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément la mauvaise image. Simplement, c'est une première ébauche. C'est-à-dire que peut-être on en changera complètement, peut-être on va réussir à l'améliorer, mais arrêtons de faire dire aux scientifiques la vérité, puisqu'ils ne l'ont pas. Et la science ne nous donnera jamais la vérité. Elle vous donnera la meilleure description qu'elle peut donner du réel, éventuellement avec des applications pratiques. Mais je suis effectivement un peu, en tant que scientifique, en ayant lu justement beaucoup, beaucoup d'histoires des sciences, certain que les choses vont évoluer, évidemment. Mais il faut aller jusqu'au bout, Jean-Marc. Vous vous êtes pris une volée de bois vert, il faut être très clair. On vous a accusé d'aller sur un terrain qui n'était pas le vôtre, en disant « vous êtes illégitime ». Je connais des cosmologistes dont je tairai le nom, qui sont intervenus auprès du CNRS pour vous empêcher de participer à des débats, discuter. Ça ressemble à une... Enfin, je veux dire, c'est choquant quand on est extérieur. Est-ce que c'est aussi dur que ça? Ouais, c'est choquant. Et pourquoi c'est aussi dur que ça? Ouais, c'est choquant. C'est plus ou moins anecdotique. C'est volé. Il y a pas de. Mais c'est vrai que c'est un réflexe un petit peu abusif, je pense. Bon, il est très difficile pour quelqu'un qui fait toute sa carrière dans un domaine
de démonter ses propres certitudes et de dire, ben non, je me suis trompé. C'est pour ça qu'on a ce problème-là. Alors moi, j'avais l'avantage, effectivement, de ne pas être dans ce domaine. Mais c'était mon domaine, c'est l'astrophysique. L'histoire du cosmos, c'est l'astrophysique. Hein. On ne pouvait pas faire une partie de l'histoire de l'astrophysique sans faire l'ensemble. Hein. Donc, je me suis intéressé à ça par le biais de ces rencontres. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris. Et donc, ensuite, j'ai commencé à écrire ce que j'avais compris. Et du coup, je me suis heurté à, entre guillemets, des gardiens du dôme. Mais je n'aime pas trop rentrer dans des questions de personnes. C'est peut-être totalement anecdotique, si vous voulez. L'important, c'est d'une part, qu'est-ce qu'on transmet au grand public ? Parce que ces gens-là viennent me voir en me disant « Mais non, tu comprends, mais non, mais tu sais ça, on le discute, etc. Voilà. » Si tu le discutes, pourquoi ne pas le dire à l'extérieur ? Ça s'explique en termes simples. Hein. L'histoire du cosmos, c'est une équation. Hein. Donc, ce n'est pas trop compliqué, hein. Même si maintenant, on fait des tas de choses sur ordinateur. Et donc, j'avais souci de ça, surtout que la science soit bien expliquée. Et moi, je trouve qu'elle est mal expliquée à l'heure actuelle, puisque beaucoup de gens pensent que c'est terminé, qu'on a la solution depuis longtemps, que c'est Big Bang. Mais est-ce que ça veut dire que vous iriez jusqu'à dire que le Big Bang est une croyance moderne ? Bah alors, évidemment, quand on parle de croyance, c'est abusif aussi de parler de ça. Je pense que c'est... Alors, c'est aussi un peu poignant, parce que l'histoire des sciences, malheureusement, nous a donné un très bon exemple de quelque chose qu'on a voulu faire durer trop longtemps et qui n'a pas marché. Et c'est justement l'histoire dans la représentation du cosmos. C'est la version grecque ancienne du cosmos où on voulait mettre des cercles. Alors, à l'époque, le cosmos, c'était juste le système solaire. Hein. On n'avait pas encore notion des galaxies. Il fallait quand même que ça marche correctement avec la période des planètes, etc. On voulait mettre des cercles. Et puis, on n'y arrivait pas, finalement, parce que, en fait, évidemment, c'est pas vraiment des cercles, c'est des ellipses. Alors, l'ellipse, elle est proche du cercle, mais c'est pas un cercle. Alors, ces malheureux scientifiques grecs ont voulu rajouter des cercles après des cercles. Ils étaient arrivés à un truc pas possible. Il y avait des dizaines de cercles dans tous les sens et ça ne marchait toujours pas. Et il fallait juste se dire, ah ben non, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Ouais, c'est quand même un pas un peu important. Hein. Et personne n'a su le faire à l'époque. Donc, si on avait été plus prudent, on aurait pu regarder et dire peut-être qu'on abandonne les cercles tout de suite. Alors, le Big Bang, on rajoute des choses. On vous a rajouté... dans le petit livre que j'ai fait l'historique. Donc, c'est très simple hein, parce que vous voyez les années se passer. Et à chaque fois, il y a des choses qui se rajoutent. Alors, le Big Bang, au départ, c'est une très bonne idée. Hein, parce qu'il y avait très, très peu d'observables, comme on dit dans notre jargon. Et puis, on avait tout mis à peu près dans le bon ordre. Mais après, on s'est dit, eh ben, là, ça marche pas. Ah ben donc on va rajouter de la matière noire. Ah ben oui, mais si on met la matière noire, alors l'âge de l'univers n'est plus le bon. Il faut rajouter absolument quand même quelque chose qui pousse un peu. Alors on rajoute de l'énergie noire. Et puis après, il a fallu dire, ben non, au début, il faut que ça se dilate beaucoup, parce que sinon on ne comprend pas que ça soit uniforme. Donc c'était l'inflation. Donc vous avez des ingrédients dont personne ne sait la nature. Mais personne. L'univers, le Big Bang à l'heure actuelle, on vous fait une histoire de l'univers alors qu'on connaît 5%. Qui peut décrire quelque chose à vous connaissez 5%? Vous ouvrez un livre, un roman policier de 100 pages, vous lisez 5 pages, vous dites, oh, ça y est, j'ai compris toute l'intrigue. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on ait absolument conscience de ce que c'est que ces composants. S'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas? Donc, vous voyez, le chantier est énorme. Non, mais c'est tout ce que je dis. Non, mais c'est pas négatif. Ma position n'a jamais été négative par rapport à la cosmologie, parce que je suis tout à fait conscient. Je voudrais simplement j'aimerais que certains scientifiques le sont, soient conscients de leurs hypothèses. Parce que si vous ne remettez pas en question les hypothèses, vous tournez en rond pendant des années. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, même peut-être plus. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux scientifiques qui arrivent, qui se forment aujourd'hui, je dirais pour changer la situation ? Je ne dis pas nécessairement au sein des équipes, mais est-ce que ça veut dire introduire dans la formation de l'histoire des sciences, avoir des débats éthiques, enfin, je veux dire, quelles seraient vos propositions ? Ce serait très intéressant d'avoir des vrais débats, effectivement. La proposition, ce serait effectivement de, à chaque fois qu'on est dans un domaine, que ce soit dans n'importe quel domaine, de relire l'histoire des idées qui ont donné lieu à l'état de l'art à laquelle on est. Parce que là, on se rend compte qu'à un moment donné, on a pris un embranchement, mais on pouvait en prendre un autre. Alors, vous le gardez en mémoire, puis vous regardez si votre chemin se continue. Si ça se continue bien, vous tombez sur la découverte du siècle, etc. Il n'y a rien à toucher, ça va bien. Mais si ça se passe mal, vous remontez un peu le fil des idées, c'est là que je fais des sciences intéressantes, et vous dites, ah, si je prenais l'autre embranchement, personne ne l'a fait avant moi, parce qu'on s'est préoccupé de l'autre chemin, eh bien, je vais prendre ce chemin-là. Ça demande une force de caractère, parce que tout le monde va dire, mais non, ça, on a déjà regardé, ça ne marche pas. Et en fait, si vous voulez, il y a des scientifiques quand même, qui encore maintenant, y compris dans le domaine du Big Bang, qui explorent d'autres domaines, et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Quand on est un vrai scientifique, on explore les différentes possibilités. Vous allez retourner en Chine ?
Ah oui, parce qu'on a un lancement. Alors, on a un satellite. Le CEA a depuis de longues années, parce que ça a été un chemin avec beaucoup d'embûches, a fait un projet du temps où la Chine était évidemment la coopération principale de tous les pays européens. Chirac avait signé un accord en 2006 avec Hu Jintao, qui était le premier ministre de l'époque, d'un satellite purement franco-chinois. Et on arrive à 2024, il va être enfin lancé. Parce qu'au passage, après, il ne fallait pas mettre les composants qui n'allaient pas, etc. Enfin, toute une histoire. Et ce satellite va être lancé, il est purement franco-chinois. Donc, ça nous a appris beaucoup de choses, d'ailleurs, sur le fonctionnement de la Chine moderne. Parce que les chercheurs, les ingénieurs du CEA qui ont été régulièrement en Chine pour construire et élaborer ce satellite se sont rendus compte, évidemment, de l'atmosphère, hein, on pourrait dire, scientifique. Donc, le monde scientifique, à l'heure actuelle en Chine, ne subit pas de pression particulière du monde politique. Au contraire, il y a beaucoup de moyens qui leur sont donnés, donc ils sont assez contents finalement de l'économie actuelle de la Chine, puisqu'en 20 ans, ils ont franchi beaucoup d'étapes. Et donc, ce satellite va être lancé le 24 juin, on croise les doigts, il a été un peu décalé, et donc je retournerai en Chine pour cette occasion-là, avec justement, c'est amusant, parce qu'à la fois du côté chinois, du côté français, ce que j'ai acquis me permet d'apporter le recul historique. Et en fait, à ma grande surprise, parce que du côté français, je savais que ça pouvait étonner un peu les Français, parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances de l'astronomie ancienne chinoise. Mais du côté chinois aussi, ça intéresse, parce que, bah, comme tout un chacun ici, hein, que vous soyez intéressé à l'astronomie, vous ne connaissez pas forcément tout ce qu'a fait Galilée, tout ce qu'a fait Copernic, on ne connaît pas l'histoire des sciences spontanément. Eh bien, les Chinois, même quand ils sont astrophysiciens, ne connaissent pas l'histoire des sciences de leur pays. Et donc, j'amène au fait l'éclairage, parce que là, comme c'est un satellite qui va observer les explosions d'étoiles les plus lointaines auxquelles on peut accéder. Donc, ça fait écho directement avec ce que faisaient il y a 2000 ans les astrophysiciens chinois, les astronomes chinois qui observaient les explosions d'étoiles. Donc, il y a un jeu comme ça de montrer, il y a une continuité que, pour une fois, l'Europe va rejoindre la Chine, cette problématique-là. Alors, en conclusion, je vais vous demander un pronostic. À votre avis, les Chinois seront-ils sur la Lune avant le retour des Américains ? C'est amusant, ça. C'est très amusant parce que moi, j'ai trouvé un petit peu dommage, par exemple, l'Europe et les États-Unis ne sont plus du tout préoccupés de la Lune après les années Apollo. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, parce que la Chine dit on va se poser sur la Lune, alors tout d'un coup, et dans l'urgence absolue, avec des dépenses phénoménales, d'ailleurs comme Apollo, hein, on met des milliards, alors qu'on aurait pu tranquillement faire un programme scientifique d'occupation de la Lune, etc. Et cette fois-ci, on aurait été avant les Chinois, ou les États-Unis auraient été avant les Chinois. Donc là, c'est déplorable comme attitude, parce que ça ne bénéficie pas tant que ça aux scientifiques, finalement, parce que c'est fait dans l'urgence. Vous voyez, le truc, ça a foiré encore hier, donc voilà. Ça marchera forcément. Mais bon, alors, quel intérêt de faire cette compétition ? Moi, j'ai discuté quand même, je vous donne mon point de vue, c'est pas du tout l'ensemble, avec des astrophysiciens chinois, parce qu'ils sont partie prenante. Hein. Quand ils posent des trucs sur la Lune, il y a d'ailleurs des expériences françaises qui vont encore aller sur la Lune avec Chang'e 6 qui va être lancé au milieu de l'année. Là. Et donc, tout le monde est concerné du point de vue scientifique. Et ils m'ont dit, mais non, on ne cherche pas à aller avant d'autres. D'ailleurs, ils ont fait leur programme, ils l'ont vraiment assez bien déployé et ils vont essayer de le tenir. Comme tout le monde, ils ont des écarts d'un an ou deux de temps en temps. Donc, ils ne sont pas dans cette problématique-là. Peut-être le monde politique l'est plus. En tout cas, les scientifiques ne le sont pas. Donc, eux, ils vont continuer leur programme. Moi, je ne peux pas être devin parce qu'il y a tellement d'aléas, hein, y compris dans la géopolitique. Mais c'est vrai qu'on voit deux démarches. L'une est plus convaincante pour moi que l'autre. Vous allez me dire, je suis peut-être un peu trop naïf, encore une fois, mais c'est planifié du côté chinois. Moi, je me rappelle du temps du gaullisme. En fait, si vous voulez, le début, il y a une coopération franco-soviétique, par exemple, parce que De Gaulle voulait équilibrer la géopolitique. Eh bien, effectivement, on en a beaucoup bénéficié au CEA. Et donc, je ne sais plus ce que vous allez vous dire là-dessus, parce que, en fait, c'est planifié. À l'époque, dans les années 80, on planifiait la recherche scientifique
à 5 ans, etc. Résultat, les crédits étaient là et on ne changeait pas de cap tous les 6 mois. Maintenant, on commence à avoir une gestion de la recherche qui est un peu différente, tandis qu'en Chine, ils sont planifiés. Alors, c'est le mode, entre guillemets, soviétique, hein, avec les qualités et les défauts. Mais les crédits sont là, les projets sont là. Et finalement, vous regardez, leur planning est assez bien tenu hein, pour des choses qui sont complexes. Hein. Ils vont sur la Lune. Ils ramènent les échantillons du premier coup. Ils vont sur Mars. Les gens, avant d'aller sur Mars, ils allaient y tourner autour. Après, ils allaient poser quelque chose. Puis après, ils posaient un robot. Ben là, en une seule mission, ils ont tout fait de la première fois. Donc, ils balisent bien, ils programment bien. Bon, je pense que c'est ça qui valait, c'est ça leur qualité. Hein. C'est-à-dire que, et donc après, pour dire qui arrivera le premier, ça, Après 4000 ans d'astronomie chinoise, les sciences de l'Empire du Milieu chez Belin, Jean-Marc Bonnet-Bideau, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de cette invitation. Merci beaucoup.